Merci. Wilt u wakker blijven, broeder? Tu as la bonne position que tu as prise, là, tu peux partir en sommeil. Hein? Je hebt een goede positie genomen om te slapen, maar niet doen. Gloire à Dieu. Glorie connaître God. Dieu. God kennen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit connaissons. De Bijbel zegt kennen wij. Et cherchons à connaître Yahweh. Laat ons de Heer zoeken. Amen. Kennen. Nous sommes dans Osée 6. Connaissons et cherchons à connaître. Osée 6. Car sa venue est certaine. Want zijn komst is gewoon. Très peu ne connaissent Dieu. Très peu. Heel weinig kennen God. Et Esaïe connaissait son Dieu. En Jesaja kende zijn God. Regardez dans Esaïe 6. Laat ons. Quand Esaïe Dieu va se révéler à lui, toen God Esaïe dira malheur à moi. Jesaja zei, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Ik ben een mens die. Ça va aller. Alléluia. Ik ben een, mijn mond is onrein. Amen. Celui qui connaît Dieu, degene die God kent, reconnaîtra son état. Zal zijn statuut herkennen, zijn staat herkennen. Et n'aura pas honte de confesser ses péchés. En hij zal zich niet schamen om het uit te brengen. Amen. Amen. Si tu as un petit péché mignon que tu caches, tu ne connais pas Dieu. Als je een klein schattige zonde hebt die je nog bewaart, dan ken je God niet. Celui qui connaît Dieu marche dans la lumière. Degene die God kent zal in het licht lopen. Et il n'a pas honte que ses œuvres soient dévoilées. En hij is niet bang zodat zijn slechte daden worden openbaard. Amen. Amen. Quand tu vas t'allumer une petite clope quelque part là, Dieu te voit. Als je aan het roken bent, de Heer ziet jou. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un ici là qui fume beaucoup. Er is een iemand midden ons die heel veel rookt. Dieu te voit. God ziet jou. Tu fumes. Après, tu prends du chewing-gum, tout ça là, pour masquer l'odeur. Je rookt en rookt en dan neem je een kauwgom. Mais tu vois pas que tu es en train de te mentir à toi-même. Maar zie je niet dat je jezelf bent aan het liegen. Alléluia. Amen. Esaïe 66. Jesaja 66. Verset 15. 15. Car voici, Yahweh arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que Yahweh exerce ses jugements, c'est par son glaive ou son épée qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera Yahweh seront en grand nombre. Amen. De Heer zal komen in een vuur, met zijn wagens als een wervelstorm. Hij komt zijn toren uitvieren in vlammen, zijn dreiging in een vuurgloed. De Heer zal over al wat leeft een oordeel vellen, de vuur en de zwaard. En talloze worden door hem doorboord. Alleluia. On apprend ici que Yahweh arrive. Hier beseffen wij, of hier laten ze ons zien Esaïe dat God annonce komt. L'arrivée de ce Dieu glorieux. Jesaja aankondigt deze wederkomst van God. Et comment? En hoe? Il dit qu'il arrive dans un feu. Hij zegt hij zal komen in een vuur. Et il nous apprend que le feu que Yahweh Dieu va exercer ses jugements. En hier spreekt hij over de vuur die de Heer ons zal veroordelen. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Luister goed. Vous avez vu? On ne parle plus du retour de Yahweh dans les églises. Hebben jullie gezien, de meeste gemeenten spreken ze niet meer over de wederkomst van Jezus. Les religieux ne parlent plus de son retour. De religieuzen spreken niet meer over zijn wederkomst. Les religieux ont des soucis par rapport à leur lendemain. Ze hebben hun eigen zorgen. Ce qu'on nous apprend dans nos églises d'aujourd'hui, c'est comment faire pour avoir de l'argent. Wat ze ons nu in onze gemeente kerken leren is hoe kunnen wij geld krijgen. Jésus dit, Jezus zei, ne vous inquiétez pas du lendemain. Maak je geen zorgen om morgen. Nous sommes appelés à nous préparer pour la rencontre avec ce Dieu grand. Wij zijn geroepen om ons voor te bereiden voor de ontmoeting met de Heer. Laisse-moi te dire ceci. Laat mij jou iets vertellen. Que tu le veuilles ou pas. Als je wilt of niet, tu auras des comptes à lui rendre. Jij zal je prijs betalen. Que tu le veuilles ou pas.
ook al wil je of niet, tu vas le rencontrer un jour. Je zal hem tegenmoeten één dag. De toute façon, in ieder geval, nous tendons vers la tombe. Wij zijn bijna aan het eind. Nous nous dirigeons vers la tombe, la mort. Wij worden geleid tot de dood. À chaque fois que tu fêtes ton anniversaire, dis-toi que tu as un pas un peu plus vers la tombe. Elke keer als je je verjaardag viert, zal je beseffen dat je de dood bijna bent. Donc tu vas devoir rencontrer ce Dieu. Dus je zal de Heer tegenmoeten. Frère, c'est grave, hein? Het is heel erg. Voici Yahweh arrive. De Heer komt. Et on apprend qu'il va juger les nations par le feu. En hier zien wij dat hij de naties zal oordelen door het vuur. Oh, beaucoup disent, oh non, mais on a encore le temps. Men zegt, nee, we hebben nog tijd. Oh non, mais on a encore du temps, on peut encore, n'est-ce pas, nous organiser, préparer, vivre bien comme il faut. Nou, we kunnen nog leven, we hebben nog tijd, we kunnen nog organiseren, dit en dat. Et regardez ici, en kijk on apprend que celui qui vient, c'est Yahweh lui-même. Hier laten we ons zien dat degene die komt, is de Heer zelf. Regardez. Kijk eens goed. Dans Esaïe toujours. Jesaja. Chapitre 62. Jesaja 62. Verset 11. 11. Voici ce que Yahweh proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Jesaja 62, 11. De Heere laat overal horen, tot aan de einde der aarde. Verkondig aan vrouwen Sion, je redder komt. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Nous progressons dans le message. Hier zullen we ook blijven in deze boodschap. On apprend que Yahweh qui arrive, hier zien wij dat God die komt, n'est autre que le sauveur. Hij is de redder zelf. Et on apprend que celui qui vient est un sauveur. En hier zien wij dat degene die komt, hij is een redder. Sauver de quoi? Redden voor wat? Sauver de qui? Redden voor wie? Frères, sœurs. Broeders en zusters. Le monde a besoin d'un sauveur. De wereld heeft een redder nodig. Regardez, aujourd'hui nous avons l'élection, n'est-ce pas, européenne. Kijk eens, binnenkort hebben wij de verkiezing van Les Europa. Les Européens cherchent des sauveurs. De Europeanen de zoeken een redder. Regardez, à chaque fois que nous élisons, nous votons un président, un maire, un bourgmestre pour vous ici, eh bien c'est parce qu'on a besoin d'être sauvé. Elke keer kiezen wij voor een president, voor een burgemeester, allerlei. Dit is alleen omdat wij een redder nodig hebben. Pourquoi les gens votent-ils? Waarom kiezen mensen? Parce qu'ils ont des problèmes, ils ont des attentes. Omdat ze problemen hebben. Et ces hommes politiques viennent pour proposer, nous faire des discours, nous proposer la solution. En deze politicus te komen en bidden ons een oplossing. Même si tu ne crois pas en Dieu. Ook al geloof je niet aan God. Quand tu votes. Maar als je gaat tu kiezen, manifestes le désir d'être sauvé. Dan manifesteer je de wil om gered te worden. Sauver de la crise économique. Om ons te redden voor de economische sauver crisis. Sauver des problèmes sociaux. Sociale problemen. Le monde a besoin d'un sauveur. Deze wereld heeft een redder nodig. Mais malheureusement, les gens se tournent vers d'autres sauveurs. Helaas keren zich mensen aan andere redders. Regarde, à chaque fois que nous votons un homme politique, au bout de quelques mois, on veut déjà le changer. Elke keer als wij voor een politicus kiezen, na een paar maanden willen wij al iemand anders. On apprend, alléluia. Ma sœur, on apprend que celui qui vient est un sauveur. Hier zien wij dat degene die gaat komen, die nog moet komen, een redder is. Regardez, les chrétiens aussi ont besoin d'un sauveur. Kijk heel goed, de christenen van tegenwoordig hebben een redder nodig. Pourquoi as-tu fait plusieurs assemblées? Waarom ben jij verplaatst elke keer naar andere gemeenten, kerken? Ou pourquoi tu ne vas plus dans les assemblées? Of waarom ga jij niet naar kerken? C'est parce que tu t'es rendu compte que ces pasteurs ne sont pas des sauveurs. Omdat jij nu beseft dat deze pastoren geen redder zijn. Vrai ou faux? Is het waar of niet? Donne, tu seras guéri. T'as pas été guéri. Je moest eigenlijk genezen worden, maar je bent het niet. Quand tu seras délivré, tu n'as pas été délivré. Ze roepen, kom, je zal bevrijd zijn en je bent niet bevrijd. Frère, lève-toi. Broeder, wilt u even staan? Tu peux te lever au fond, là-bas, il y a quelque chose qui va arriver sur toi. Je kan, wilt u even gaan staan? Il y a un esprit de sorcellerie qui t'attaque. Er is een sataniste geest die jou aanvalt. Merci pour ton obéissance. Dank u wel voor je gehoorzaam. Faut pas dormir là.
Jullie moeten niet slapen. Laat ons niet slapen hier. Il faut aimer la parole et ne laissez pas les sorciers vous endormir ici, parce qu'il y a pas mal de sorciers ici. Jullie moeten van het woord houden. Laat jullie niet verleiden door satanisten, want ze zijn er. Ceux qui ont étouffé vos pasteurs ici. Vendredi dernier, ils m'ont beaucoup attaqué ici. Afgelopen vrijdag werd ik heel veel aangevallen. Ils ont plombé l'atmosphère. Hier hebben ze het atmosfeer ils hebben ne ze veulent veranderd. Pas que la parole touche les cœurs ici. Ze willen niet dat het woord mensen aanraakt. Il y a un grand aéroport mystique ici à Bruxelles. Er is een heel grote haven hier in deze les Congolais, in les Marocains, les Nigériens, les Algériens, tout le monde vient atterrir ici, van la sorcellerie. Van alle naties en iedereen komt hier landen. Et quand il y a des programmes comme ça, ils viennent, ils soufflent sur tout le monde. En als er zo'n programma is, dan komen ze en verleiden ze iedereen. Vous prenez des positions comme ça, vous commencez à dormir. Non. Als je een slaappositie neemt, nee, moet je niet doen. On ne va pas prier pour vous si vous n'aimez pas la parole. We gaan niet voor jullie bidden als jullie niet van het woord houden. Amen. Amen. Voilà. Tout se fait par la parole. Alles werd gedaan door het woord. Parce que si on prie pour vous alors que vous n'aimez pas la parole, que ça ne va rien faire. Als wij voor jullie bidden en jullie houden niet van het Amen. Woord, zal er niks gebeuren. Il faut aimer l'enseignement. Je moet van het onderwijs, Bijbelonderwijs houden. Celui qui vient est un sauveur. Degene die komt is een redder. Nous sommes d'accord avec la parole? Zijn we akkoord met het woord? Qui a besoin d'un sauveur? Wie heeft een redder nodig? Pour ton caractère acariâtre là, ton caractère irascible, ton caractère dur, tu as besoin d'un sauveur. Voor al je eigenschappen, voor al je karakters heb je een redder nodig. Pour ton problème avec les blancs, tu as un problème, tu as besoin d'une délivrance. Voor je problemen tegen blanke mensen. Je hebt ton problème avec les noirs, le racisme, tu as besoin d'une délivrance. Je bent een racist, je hebt een bevrijding nodig. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les noirs sont dans leur coin, les blancs de l'autre, les arabes de l'autre. Il y a besoin d'un sauveur ici en Belgique. Daarom zie je dat iedereen bij elkaar komt. De landgenoten bij elkaar komen. We hebben een sauveur, c'est important. België heeft een redder nodig. Alléluia. Dat is heel belangrijk. Oeh. Ça va aller. Ça va? Het zal gaan. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un sauveur. Zeg tegen je naast, je hebt een redder nodig. Dis-lui, il va te sauver de toi-même. Zeg tegen je naast, hij zal je redden voor jezelf. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. De Bijbel zegt, het vlees heeft andere verlangen dan het geest. Regardez. Kijk eens. À minuit, tu te réveilles. Om 12 uur ben je wakker. T'as plus de sommeil. Jij hebt geen slaap meer. Tu sens qu'il faut prier. Maar je voelt dat je moet bidden. Mais ta chair te dit... Maar je vlees entre zegt, la chambre et la salle à manger, il y a des kilomètres. En je vlees zegt, ga naar de keuken. Je suis fatigué, dors encore. En je geest zegt, ik ben moe, tu te rendors et tu te réveilles à 8 heures du matin. Om 8 uur ben je wakker. Et t'as honte maintenant devant Dieu. En je schaamt je voor God. Ta chair a besoin d'un sauveur. Jouw vlees heeft een redder. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te passer du chocolat. Je kan niet aan chocola voorbij lopen. Tu as besoin d'un sauveur. Je hebt een redder nodig. Amen. Amen. Tu ne peux pas te passer du café. Je kan niet aan koffie voorbij lopen. Tu as besoin d'un sauveur. Je hebt een redder nodig. Tu aimes trop ton petit copain alors qu'il n'est pas complet. Tu as besoin d'un sauveur. Je houdt zoveel van je vriendje terwijl hij nog niet compleet is. Je hebt een redder nodig. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vient. Daarom zegt de Bijbel. Quand tu vois une femme passer, tu luttes pour ne pas la regarder. Oh, ah, tu la regardes. Tu as besoin d'un sauveur. Je kan een vrouw niet voorbij zien lopen. Je moet nakijken. Je hebt een redder nodig. Quand tu es avec les frères, tu crains Dieu. Als je met broeders bent, vrees je God. Quand tu vois une femme passer, tu ne la regardes pas parce que les frères sont là. Als je een vrouw voorbij ziet lopen, mais quand tu es tout seul, tout seul. Zijn. Maar als je alleen bent, dan kijk je. Dan kijk je. Tu as besoin d'être délivré. Je hebt een bevrijding nodig. Alléluia. Amen. Le shit qui vient de la Hollande là. Hashish. Le hashish là, tout ça. Marlboro, tout ça là. Fume-tu, mais tu te tues. Tu as besoin d'un sauveur. Wit roken, het roken dood. En je dood jezelf. Sur les paquets de cigarettes, on a écrit quoi? Op deze sigaretten. Fumer, tu. Staat roken Dieu dood. À ton voisin, tu te tues. Zeg tegen je naast je donc dood tu as jezelf. Besoin d'un sauveur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu.
Oh Dieu, sauve-nous. God, red ons. Alors, c'est qui? Qui est le sauveur? Wie is de redder? Quand on entend, il y a un prophète qui est arrivé là-bas. Il a une grande onction. Tu cours. Oh! Je hoort, er is een profeet die er komt. Hij heeft een grote onction. Et quand tu arrives, en je zal achterlopen. Quand tu arrives là-bas, aankomt, tu entends? Dan hoor je. Qui a 1000 euros? Wie heeft 1000 euro? Qui a 300 euros? Wie heeft 3000 voilà. euro? Le sauveur est transformé en arnaqueur, en voleur. Zie je, deze redder heeft zich. Alléluia! Deze redder is een dief geworden. Il te restait seulement deux plumes. Dus je zou maar met et tu les as laissées là-bas. Toutes tes plumes sont parties. Al je geld, alles. Mais là pour voler, t'as plus rien. Al je vleugels heb je gelaten. Voilà, le sauveur que tu cherchais. En je kan niet meer vliegen. Dit is de redder die jij hebt gezocht. D'autres vont voir des sauveurs qui vont leur donner des gris-gris. En anderen zullen nou de redder geven die hun hekserij of... Beaucoup vont au Nigeria voir un sauveur là-bas. Heel veel gaan naar Nigeria om een redder te zien. Il leur vend ses autocollants. En deze, hij verkoopt hun. Il leur donne de l'eau à mettre partout. Hij geeft hun water om overal te. C'est grave. Dit is heel erg. Il y a sauveur et sauveur. Er bestaan redder en redder. Amen. Yahweh qui vient est le sauveur de l'humanité, frères et sœurs. Yahweh die komt en de redder van de mensheid. Qui croit que Yahweh est le sauveur? Wie gelooft dat Yahweh de redder is? Donc on apprend que Yahweh qui vient est le sauveur. Hier zien wij dat Yahweh komt en de redder. Ésaïe 40. Jesaja 40. Verset 10. Jesaja 40, 10. Voici le Seigneur Yahweh vient avec puissance. Dans l'autre version, il est dit, il vient contre le fort. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen, zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Et de son bras il commande, voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et il, n'est-ce pas, les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. On apprend que Yahweh qui vient est non seulement le sauveur, mais il est également le Seigneur. Hier beseffen wij dat Yahweh die komt is niet alleen de redder, maar ook de Heer. Il est aussi, mes amis, le berger. Hij is ook de herder. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin d'un berger. Zeg tegen je naast, je hebt een herder nodig. Rappelle-lui que tu es une brebis. Herinner je dat je een schaap bent. À moins que tu ne sois un bouc. Misschien ben je een wolf. Alléluia. Amen. Même si tu es un bouc, ook al ben je een wolf, tu es aussi un berger. Je hebt een herder. Celui-ci s'appelle le diable. En degene die, dit is de duivel. Mm-hmm. Lui dans son troupeau là, il y a que des boucs. Ja, de duivel heeft alleen maar wolven om zich heen. Wow. Dis à ton voisin, les vrais pasteurs sont aussi des brebis. Zeg tegen je naast, de ware pastoren, de ware Gods donc, mannen. Tu n'es pas leur brebis. Je bent niet hun schaap. Et toi et eux, tout le monde est brebis. Jij en de pastoren. Et un seul est berger. En we hebben maar één heer. Halleluja. Amen. Wow. Et on apprend ici que son nom est Yahweh. En hier leren wij ons dat zijn naam Yahweh. Il est berger. Hij is de herder. Et David disait, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. David zei, Yahweh is mijn herder en ik zal niks missen. Donc comme Yahweh est mon berger. Omdat God of Heer mijn herder is. J'ai pas besoin d'un pasteur pour qu'il m'impose les mains. Heb ik geen pastoor nodig om zijn hand over mij te leggen. Parce qu'il est écrit que je ne manquerai de rien. Omdat er staat, ik zal niks missen. Alléluia. Amen. Chrétiens, comprenez cette parole. Christenen, begrijp deze woorden. Yahweh est mon berger. Yahweh is mijn herder. Tout bon berger protège son troupeau. En hij beschermt al zijn kudde. Aucun loup ne peut m'atteindre parce que Yahweh est mon berger. Geen wolf zal mij aanvallen, want Yahweh is mijn herder. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ook al loop ik Halleluja. Tussen de dood, zal niemand mij kunnen aanraken. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ook al vallen 1000 aan mijn rechterhand, 10000 aan mijn linkerhand, zal ik nooit vallen. Mes enfants sont protégés par l'ombre de mon berger. Mijn kinderen zijn beschaamd door mij. Voilà la réalité. Alléluia. Et on nous le présente comme étant Yahweh. Hier stelt hij zich voor als Yahweh. Mon Dieu. Alléluia. Ouh.
Et on nous dit qu'il commande avec son bras. En hier zien wij dat hij heerst met zijn hand. Et on nous dit qu'il vient. Hij komt. Il est Yahweh. Hij is Yahweh. Il est mes amis. Hallelujah. Il est le berger. Hij is de herder. Il est le Seigneur. Hij is de Heer. Adonai. Hij is Adonai. Ça veut dire quoi? Weet je, celui qui vient. Degene die komt. Le roi des rois parce qu'il est Seigneur, mes amis. De koning van alle koningen, want hij is de Heer. Wow. Yes. Ça veut dire quoi? Wat betekent dit? Toutes les choses qui veulent nous dominer seront dominées. Alles wat wat tous les hommes qui veulent nous écraser seront écrasés, frères et sœurs. Les démons qui veulent nous contrôler seront contrôlés, écrasés, dominés au nom de Jésus de Nazareth. Wow. Jesus. Alléluia. Il y a quelque chose ici. Je vous dis, le Seigneur est en train de se manifester. Il est en train de rentrer en ce lieu, frères et sœurs. Oh! Nous sommes en Belgique. La Belgique est un royaume. België is een koninkrijk. Et on apprend qu'au-dessus du roi de Belge, il y a Adonai. En boven deze koninkrijk van België is Adonai God. Alléluia. Jesus. Donc, le Seigneur qui vient, de Heer die komt, c'est le roi. Is de koning. Le roi qui vient, de koning die komt, vient avec son royaume. Hij komt met zijn koninkrijk. Et c'est la pierre en dit is de steen qui s'est détaché de la montagne. En dit is de steen die zich sans le secours d'aucune main. Van de bergen zonder. Et qui a frappé la statue de Daniel. De statue van Daniel. Le royaume qui arrive, et de koninkrijk die komt, c'est le réveil, is het, oh, is c'est la délivrance, is de opwekking, c'est la libération is de bevrijding, du peuple de l'éternel des armées. Oh! Jesus. Je le vois ce soir, debout, devant, au-dessus de ce lieu. Et je vois sa robe royale, une ceinture d'or autour de la poitrine, et ses yeux rouges feu. Oh, le roi qui vient, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Et on nous parle de des récompenses. En hier spreken wij over de beloning. Il vient avec des cadeaux. Hij komt met cadeaux. Il vient avec des couronnes. Hij komt met de kronen. Il vient avec des trônes. Hij komt met kronen. Parce qu'il va récompenser la souffrance de ses serviteurs, want de ses servantes qui l'attendent pour leur salut. Hij zal zijn dieners en dieneres belonen. Le chemin du Seigneur. Bereid de weg van Messias voor. Jean-Baptiste est venu préparer son chemin. Johannes de Doper is gekomen oh! om het voor te bereiden. Dans Ésaïe 35. Jesaja 35. Dieu dit ceci, frères et sœurs. Zegt God dit. J'aime la parole. Ik hou van het woord. Qui aime la parole, frère? Wie houdt van het woord? Dans Ésaïe 35:4. Jesaja 35:4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Qui a le cœur troublé? À cause des problèmes. Zeg tegen het moedeloze volk. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Zeg tegen het moedeloze volk. Prenez courage. Wees sterk. Ne craignez point. En vrees niet. Voici votre Dieu. Want jullie God. La vengeance viendra. Komt met zijn wraak. Il va te venger de tes ennemis. Hij zal wraak nemen. Alléluia. Wow. Il va nous venger. Jesus Christ. Vous avez vu à chaque fois on nous dit voici. Voici. Et dans Matthieu 25. In Matthäus 25. À minuit quelqu'un est venu dire. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Dis à ton voisin l'époux arrive. L'homme le plus beau arrive. Le Dieu le plus excellent arrive. Wow. Dis à ton voisin, ton doudou d'amour arrive. Ton chéri arrive. Ton Dieu.
Dieu arrive, ton maître arrive, l'Éternel paraîtra. Oh, alléluia! Et son nom, c'est Jésus de Nazareth, l'homme le plus beau, l'homme le plus galant, l'homme Dieu de gloire. Sa démarche, sa démarche, sa façon de parler, sa façon de s'habiller, sa couronne, ses yeux, l'épée qui sort de sa bouche, sa robe royale. Oh! Élevez vos linteaux. Élevez les portes. Afin que le roi de gloire fasse. Il doit faire son entrée. Il doit faire son entrée. Écoutez. Il est entré à Jérusalem sur une ânesse. Et il va entrer dans ce monde. Sur un cheval. Pourquoi le cheval? Le cheval est équipé, nous dit Psaume, pour la bataille. Il revient pour mettre à terre l'homme impie. Il revient pour terrasser le diable. Il revient pour briser Babylone. Il revient. Je l'adore, je l'élève, car il est tout puissant. Jesus. Il est là. Je vous dis, il est là. Il est présent ici. Il allume son peuple. Il embrase son peuple. Son feu est là. Son feu est là. Oh! Alléluia. Tu vois, tu ne peux plus t'asseoir normalement. Jij kan niet meer normaal zitten. Parce que le feu te prend. Want deze vuur, hij raakt tu ne peux plus t'asseoir normalement, femme. Le feu te prend. Deze vuur, le feu te consume. Deze vuur, le feu consume le péché, la maladie. Deze vuur is zonde in jouw leven aan het verbranden. Jesus. Jesus. Woo. Woo. Les anges ont dit. De engelen zeiden. C'est Jésus. Deze Jezus. Qui a été enlevé. Deze die naar du milieu de vous. Gebracht. Reviendra de la même manière. Où il est boven is gegaan, zal hij dezelfde manier weer naar jullie komen. Le ciel va s'écarter. Deze hemel zal zich scheiden. Et on va le voir. En we zullen hem zien. Face à face. We zullen hem zien. Face à face. Face to face. Face à face. Face to face. On apprend. En we leren. Que celui qui vient. Dat degene die Yahweh, komt. Yahweh. Adonai. Adonai. Le Seigneur. De Heer. N'est autre. Niemand onder que Jésus de Nazareth. Jesus Christus. Jésus de Nazareth. Jesus Christus. C'est lui le Dieu tout-puissant. Hij is de God, de allemachtige God. Broeder. Oh, église. Kerk. Réjouis-toi, toi qui l'attends. Jij die wacht. Ta délivrance blij. Est proche. Jouw bevrijding la is nabij. La délivrance de ce monde est proche. De bevrijding van deze wereld la is nabij. La délivrance par rapport à la chair est proche. De bevrijding met het vlees is nabij. Bientôt on va partir. Binnenkort zullen we gaan. On va manger des fruits célestes. Wij zullen de vruchten eten. On va monter bientôt, frère. En binnenkort zullen on va we monter. Gaan. Wij zullen gaan. À la dernière trompette. La laatste trompet. Il va y avoir des disparitions massives. Zullen jullie zien dat mensen verdwijnen? Des chrétiens authentiques. Christenen zullen verdwijnen. Nous allons monter à la rencontre wij zullen de gaan. De notre époux. Wij zullen naar boven gaan om ons om de bruidegom te ontmoeten. Il m'a fait la cour. Je me suis laissé draguer. Hij heeft me gefusilleerd. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a enseigné comme cet homme. Jamais homme n'a prêché comme cet homme. Niemand kan preken zoals deze man. Nous allons vous abandonner votre monde.
Wij zullen deze wereld voor jullie achterlaten. On va abandonner les papiers, on va laisser les passeports. Wij gaan al deze paspoorten verlaten. On va laisser, mes amis, les maladies. Wij zullen de ziekte verlaten. On va laisser la confusion. Wij zullen al deze confusie verlaten. On va monter, 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 monter. Wij zullen stijgen. Halleluja. Halleluja. Ton employeur voudra que tu reviennes. Tu vas bye 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 bye. Bye bye. Jouw werkgever zou willen dat je blijft en je zou tegen hem zeggen bye bye. Ton bourgmestre dira viens viens viens. De burgemeester zou zeggen kom. Ton mariage c'est dans deux semaines, c'est fini. En je bruiloft is je monte vers le véritable mariage. Het is afgelopen, want ik stijg naar. Halleluja. Echte bruiloft. Halleluja. Woo. Et en montant, stijgend, je veux voir mon frère Julien. Ah, toi aussi, tu montes. Zal ik mijn broeder Julien zien? Halleluja! Ah, Jeff, halleluja! On monte, on monte, frère! Hé, als we naar boven gaan. C'est terrible. Dites à ceux qui pleurent. Zeg tegen de mensen die huilen. Prenez courage. Wees sterk. Prenez courage, chrétien. Wees sterk, christen. Voilà le message prophétique. Dit is deze profetische boodschap. Prenez courage. Wees sterk. Ce n'est pas le temps de baisser les la garde. Het is geen tijd om jezelf te verlaten. Ce n'est pas le temps de dormir. Het is geen tijd om te slapen. Dans l'horloge de Dieu. En het horloge van de Heer. Il est déjà minuit. Het is al 12 uur. Dans l'horloge de Dieu. En het horloge van de Heer. Dans l'horloge prophétique. Het is in het profetische horloge. Le temps est presque fini. Is de tijd bijna verlopen. Voilà pourquoi les vraies églises ont presque disparu. Daarom zien wij dat de ware kerken voilà pourquoi Dieu vous sort des bâtiments d'église. Daarom haalt de Heer jullie al uit de parce que vous êtes fatigués. Omdat jullie moe zijn. Parce que vous n'avez pas trouvé Dieu là-dedans. Omdat jullie God niet. Et vous avez soif. Vous avez faim. Jullie hebben honger. Vous désirez voir Dieu autrement. Dit keer zullen jullie de Heer ontvangen. Le Dieu des actes des apôtres vous dit qu'il revient vous prendre, frères et sœurs. De Heer van de handelingen, hij zegt hij zal komen om jullie te halen. Les sorciers vont se cacher. De heksenen zullen zich verbergen. Satan va se cacher. Satan zal zich verbergen. Les démons vont se cacher. De demonen zullen zich verbergen. Frère, broeders, il revient. Hij komt. Il revient. Hij komt. Je vous assure. Ik verzeker je partirai. Jullie. Ik zal gaan. Je vous assure, sur ik frère. Verzeker je jullie. Vous garantis, je partirai. Ik garandeer jullie. Moi ik et zal ma gaan. Maison, nous allons ik bouger. En mijn familie, wij zullen alléluia. Bouger. Alléluia. Je tiendrai mes enfants comme ça va monter, frère. Mijn kinderen houden. Ah. Heel. Ouh. Il y aura Gabriel, il y aura Michael, il y aura tous les anges, frère. Oh mon Dieu. À la rencontre de Joël. À la rencontre d'Abraham, à la rencontre d'Élisée, d'Élie, frère, d'Enoch. Enoch, zullen we zien. On va nager dans le fleuve céleste avec Enoch. Wij zullen zwemmen in het hemelse zwembad. Vous vous rendez compte? Pendant les. In het eeuwigheid. Ouh. Je veux m'asseoir correctement sur le trône à côté de mon père. Ik zal op de troon zitten naast mijn vader. Je veux m'allonger sur ses cuisses. Ik zal papa, liggen op zijn schouder. Papa. Op zijn benen. Mon vader. Enfant. Mijn kind. Il va me caresser la tête, hij frère. Et je vais entendre les battements de son cœur. Boe, boe. En ik zal zijn hart kloppen luisteren. Chaque battement appelle ton nom. En iedereen roept ton naar nom nouveau. Jouw nieuwe naam. Ça va être glorieux. Oh, dit zal glorieus. Ça va être magnifique. Zijn. Heerlijk. Ouh, l'éternité. Eeuwigheid. Frère, on va voler. Broeders, we zullen on va aller visiter vliegen. L'univers. Wij zullen het universaal bezoeken. Et on va dans son jardin. En we zullen naar zijn plein de parfum. Met heel veel avec Jésus. Met Jezus. Rien que toi et Jésus. Alleen jij met Jezus. Qui veut monter? Wie wil stijgen? Wie wil naar de hemel? Alleluia. Alleluia. Amen. Wow. Ceux qui ont l'esprit de Dieu degene die het geest van God hebben, savent que Christ revient. Ze weten dat Christus wederkomt. Ça s'entend, ça se voit. Dit is te zien, dit is te horen. Même les hommes politiques n'ont plus de solution. Ook de politici hebben geen oplossingen meer. Voyez, ça se voit, ça saute. Même la nature. Dit is herkenbaar. Aspire à ce retour glorieux. Deze natuur ademt, deze wederkomst, glorieuze wederkomst. Tu te rends compte, mon frère? Besef je het eigenlijk? C'est fini. Het is afgelopen. Ça se trouve même que tu ne finiras pas tes études, que le Seigneur sera de retour. Ook kan je studie niet beëindigen. De Heer is onderweg.
Le jour de, où on va te donner ton diplôme, c'est le jour de ton départ, peut-être. Stel je voor, de dag wanneer je de diploma uittrekking zou krijgen, is de dag wanneer hij komt. Alléluia. Amen. Ça va être magnifique, frère. Dit zou geweldig zijn. Et chacun de nous va recevoir sa récompense. En iedereen zal zijn beloning krijgen. Chokwetu, oui, maître. Chokwetu, ja, meester. Bon, tu as été fidèle. Je was trouw. Tu as obéi à ma parole. Je was gehoorzaam aan tu mijn as fait woorden. La révision de la Bible. La révision de la Bible. Je was gehoorzaam en heeft voilà ta couronne. Je schrijft. Met dit ta is, tête. Dit is je loon, dit is je kroon. Alléluia, alléluia, alléluia. En zo zal het gaan zingen. Alléluia, 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 amen. Ça va être magnifique, frère. Dit wordt geweldig. Et bon, on va se croiser. Je sors du tribunal. Mon frère Julien entre pour avoir sa récompense. Ik kom eruit en dan zie ik mijn broeder Julien die tu as bien filmé. Je hebt heel goed gefilmd. Hein, grâce, parce que tu as bien filmé, mon peuple était touché. Omdat je mensen hebt gefilmd. Ça va être glorieux, frère. Glorieux. Dit zal glorieux zijn. Vous vous rendez compte l'éternité? Beseffen jullie het eeuwigheid? Plus de mort. Geen doden. Plus de maladie. Geen ziekte meer. Plus de chômage. Geen werkloosheid. Plus de dépression. Geen depressie meer. Plus de critique. Geen kritieken meer. Rien que la vie. Niet behalve frère, het leven. Nous allons manger. Wij zullen eten. Je vous assure, hein, on va manger, on va boire là-haut. Ik verzeker jullie, wij zullen eten en drinken. On va voir des plantes, des arbres comme ça. En dessous, il y a des anges qui ont leurs instruments de musique. Wij zullen de engelen zien met het muziekinstrumenten. Bonjour. Goedendag. Ah, Gabriel. Gabriel, zullen wij begroeten. Je vois ta harpe un peu là. Kan ik met je harpen spelen? Oh, les mélodies. À la gloire du Père. Deze melodie alleen voor Alléluia. De glorie van mon vader. Alléluia. On va aller ailleurs. Wij zullen gaan. Trouver, mes amis, des prophètes. En dan zullen wij de l'ancienne alliance. Ontvangen. Profeten. Bonjour Joël. Profeet Joël. Bonjour Deborah. Oh, bonjour Miriam. Oh, alléluia, c'est magnifique. Dit tout le monde est là. Iedereen is aanwezig. Oh là là. C'est glorieux, frère. Het is glorieus, broeders. L'éternité. Eeuwigheid. Woo. Fini les pleurs. Afgelopen met het huilen. Le maître va prendre son mouchoir et va essuyer tes larmes. De meester zal met een doek ons tranen vegen. J'ai vu l'enlèvement de l'église. Ik zag le départ de chrétiens. Ik zag hoe de christenen, de kerk, les anges venaient. De engelen kwamen. Prendre les âmes. De zielen te meten. Il y a des années de cela. Jaren geleden. J'ai vu le ciel. Ik heb de hemel gezien. Frères. Broeders. Ce qui me maintient encore dans le message, c'est le ciel. Ce que j'ai vu. Het enige die mij nog op deze aarde tegenhoudt is de hemel die ik heb gezien 2 jaar geleden. Un ange est venu me prendre. Een engel kwam mij halen. J'arrive au ciel. Ik ben aangekomen in de je hemel. Vois un autre ange devant le paradis. Ik zie een andere engel voor fait de paradijs. D'entrée. En die je vois naar binnen. Des chrétiens comme vous. Ik zag christenen zoals jullie. Dans un grand jardin. In een heel grote tuin. Et on m'amène à par la suite dans le saint de saint. En aan het eind namen ze mij et là, mee je in vu het heilige plek. Tous les archanges, tous en les chefs. Toen zag ik al die engelen. Il y avait Gabriel qui était là. Ik zag Gabriel. Alléluia. Het, et Gabriel m'a donné de l'eau à boire. Gabriel et je buvais, et je buvais, et je buvais. Bleef me drinken. Et je leur posais la question. En ik stelde de vraag. Je lui posais la question. Qui s'occupe de tous ces instruments que je vois zei, ici? Wie zorgt allemaal voor deze instrumenten? Gabriel me zie. Dit, c'est moi. Gabriel zei, ik zorg ervoor. Et un ange a commencé à parler. En een engel begon te spreken. Et je traduisais. En ik was dit aan het vertalen. Il disait, Jésus revient, c'est hij la réalité. Zei, Jezus is aan Jésus, Jésus revient, c'est la réalité. Jezus is aan Jésus het revient, c'est la réalité. Dit is het realiteit. Frère, broeders. Il m'a dit, va. Hij zei, ga. Et libère mon peuple. En bevrijd mijn volk. Annonce à mon peuple mon retour. Kondig aan mijn volk mijn wederkomst. Beaucoup de chrétiens sont trop focalisés sur la terre. Heel veel christenen zijn houden zich bezig met het, si met de aarde. Une assemblée ne vous parle pas du retour de Jésus, quittez-la. Als een kerk niet spreekt over de wederkomst van Jezus, si verlaat une assemblée plek. Ne vous parle pas du ciel, quittez-la. Als deze kerk niet over de hemel spreekt, moet je het verlaten. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux. De Bijbel zegt wij zijn de volk van God. Notre van de cité est là-haut. Onze stad is Alléluia. Alléluia. Acclamez le Seigneur, frères et sœurs. Notre cité est là-haut. Onze stad is een hemel. Abraham.
Abraham attendait la cité de Dieu. Hij ging wachten op het stad Frère, van God. La terre ne me dit plus rien. Deze aarde spreekt me niks meer aan. Plus rien. Betekent mij niet meer. Honnêtement, il y a quoi sur terre aujourd'hui? Nou, als we heel eerlijk zijn, wat cancer, is er nog? Kanker, divorce, scheidingen, la mort, dood, confusion, racisme, raciste, hépatite, sida, al die ziekten. Il y a quoi? Accident, tout ça, il y a quoi sur terre? Ongelukken, wat bestaat Soyez er op honnête. Deze aarde? Wees Soyez eerlijk. Honnête envers vous-même. Wees eerlijk tegen jezelf. Il y a quoi? Wat bestaat er nog Violence, op deze aarde? Geweld. Division entre le peuple. Scheiding tussen mensen. Division entre les ethnies. De scheidingen. Confusion par rapport à toutes ces religions qui existent. Verwaarloosd tegen met de religies. Il y a quoi? Wat is er nog op Souffrance, deze wereld? Blessure. Lijden, blessures. Ton cœur a déjà été blessé par un homme, par une femme. Jouw hart was geblesseerd door een man. Que door een vrouw. Problèmes. Er zijn alleen maar problemen. Où est ton père? Waar is je vader? Où est ta mère? Waar is je moeder? Où sont tes frères et sœurs? Waar zijn je broeders en zusters? Où sont tes parents? Waar zijn je ouders? Où sont tes enfants? Waar zijn je kinderen? Problème sur problème. Problemen. Et les psychiatres, les psychologues ne peuvent pas nous soigner réellement. En niemand kan je behandelen. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous donnent des traitements sur traitements. Ze geven jou behandelen. On est comme des cobayes. Wij zijn zoals verslaafden. Vous ne voyez pas que la terre va mal? Zien jullie eigenlijk niet dat het niet goed Vous gaat voyez met pas deze que aarde? Tout va mal? Alles gaat slecht. Il faut être aveugle. Je moet blind zijn. Jeune fille, jeune homme, croyez vraiment que vous allez avoir un petit coin de paradis sur terre un jour? Geloven jullie eigenlijk dat jullie een klein paradijs op aarde zullen hebben? Il vient. Hij komt. Il vient. Hij komt. Il vient. Hij komt. Apocalypse nous dit. Openbaring zegt. Celui qui était. Degene die was. Qui est. Die is. Et qui vient. En die zal komen. Jésus-Christ de Nazareth. Jezus van Nazareth. Il vient comment? Hoe komt hij? Avec du feu. Hij komt met het vuur. Pour juger. Om te oordelen. Vaut mieux que tu sois de son côté. Beter dat je op zijn kant bent. Parce que là, ce n'est pas l'agneau qui va revenir, c'est le lion. Dan is het niet de lam die zal komen, maar de leeuw. Pour juger. Om te oordelen. Vos bourgmestres vont se cacher. Al jullie burgemeesters zullen Les zich verbergen. Les préfets vont se cacher. Ze zullen zich verbergen. Nos rois vont se cacher. Al onze koningen, ze zullen zich verbergen. Ça va être terrible. Dit zal heel erg zijn. Imaginez, vous êtes dans une assemblée locale. Stel je voor in een gemeente, kerkgebouw. Tout le monde est resté. Iedereen is gebleven. Imaginez. Stel La je voor. Confusion. Verwaard. Beaucoup de pasteurs vont rester. Heel veel pastoren, Gods mannen, zullen blijven. Beaucoup ne croient même plus à ce retour glorieux du Seigneur. Heel veel mensen geloven eens niet meer aan deze wederkomst. 40 ans de fréquentation d'église, 40 ans pendant lesquels ils n'ont pas entendu parler de ce retour glorieux. 40 jaar in een gemeente kerkgebouwen hebben ze nog nooit over de wederkomst van Messias gehoord. Vous savez pourquoi je me sanctifie? Weten jullie waarom ik mezelf Parce que le maître revient. Omdat de meester komt. Vous savez pourquoi beaucoup se sanctifiaient à l'époque de Paul? Weten jullie eigenlijk waarom Parce heel veel zich ce message. Geheiligd hebben in de tijd van Paulus? Omdat ze deze boodschap van Paulus hebben gehoord. Vous savez pourquoi beaucoup ne veulent plus se sanctifier aujourd'hui? Weten jullie waarom heel veel mensen Parce zich niet disent, willen heiligen? On a encore le temps. Omdat ze tegen zichzelf zeggen, we hebben nog tijd. Réjouissez-vous. Et Wees soyez blij. Dans l'allégresse. Wees blij. Car les noces de l'agneau sont arrivées. Want het feest, le mariage, het feest van de lam is bijna. Et son épouse deze s'est préparée. En deze bruid is zich aan het voorbereiden. Nous sommes à l'époque de la préparation. We zijn in de periode en de tijd tu van de voorbereiding. Du maquillage spirituel. Al deze geestelijke make-up. Du lavage spirituel. Het geestelijke verschonen. Si tu es dans un péché. C'est le moment de le quitter aujourd'hui. Als je werd verhinderd, is nu het moment om het te verlaten. Si tu n'es pas marié, als je nog niet getrouwd bent, va à la mairie, ga naar de gemeente, à la commune, règle ton histoire. Ga naar de gemeente rapidement. En regel dit heel snel. Sinon tu vas rester. Anders zal je blijven. Si tu es idolâtre, als je afgod, c'est le temps de régler. Afgodisch bent,
is het de tijd om dit te handelen, om te regelen. Je sais que beaucoup sont déçus des églises. Ik weet dat heel veel mensen teleurgesteld zijn door kerken. Mais laissez-moi vous dire ceci. Laat mij jullie dit vertellen. Ne ratez pas le ciel à cause d'un pasteur. Mis de hemel niet vanwege een pastoor. Jeune fille, jonge dame, vous qui vous sanctifiez pour le maître, diegene die zich heiligen voor de meester, vous serez revêtus de robes blanches. Jullie zullen het witte jurk krijgen, dragen. Vous mangerez avec le roi. Jullie zullen met de koning eten. Vous serez conviés à la table du grand. Jullie zullen de plaats nemen du maître, naast des temps et des circonstances. Jullie zullen plaats nemen aan zijn rechterhand op zijn tafel. Vous n'avez rien perdu. Jullie hebben niks verloren. Non. Nee. La table des noces est déjà prête. Het maaltijdtafel is al tout bereid. Tout est prêt. Alles is bereid. Et l'ange qui doit sonner la trompette, il l'a déjà dans sa bouche. En de engel die het trompet moet blazen, heeft het al in zijn mond. Oh non, viens, Jésus, tu as le mariage. Non, nee, c'est kom, pas ça le message. Kom naar Jezus en je zal een bruiloft krijgen. Nee, donne ta dîme, tu seras béni. C'est pas ça le message. Geef je tiende, je zal gezegend worden. Nee, dit is niet het goede nieuws. Bill Gates est l'homme le plus riche au monde et il ne donne pas la dîme. Bill Gates is het rijkste man van deze wereld, maar hij geeft geen donc, tiende. Ce n'est pas ça l'évangile. Dus dat is niet het evangelie. Viens, Jésus. Kom naar Jezus. Et tu seras persécuté. Voilà l'évangile. En je zal lijden. Viens, Jésus. Kom naar Jezus. Et tu seras rejeté. Voilà l'évangile. En je werd verlaten. Dit is het evangelie. Donne ta vie à Jésus. Geef je leven aan Jezus. Et tous tes ex. En al je exen. Vont réapparaître pour te faire tomber. Voilà l'évangile. Ze zullen weer verschijnen om jou te laten vallen. Dit is het evangelie. Je suis persuadé que ce réveil que nous vivons est le dernier. Ik ben overtuigd dat deze opwekking die nous wij volgen is het laatste. Les seuls à le vivre. We zijn niet de enigste die dit meebeleven. Dans le monde entier. Op deze aarde, op deze wereld. Le Seigneur sort son peuple des bâtiments d'église, des maisons d'église. Il sort son peuple, il coupe les liens entre son peuple et les faux bergers. Overal op deze aarde, op deze wereld is de Heer al zijn volk uit de kerkgemeente, uit kerkgebouwen aan het uithalen. En hij is al die banden aan het knippen. C'est le mouvement de l'esprit le plus important. Dit is het beweging van het Heilige Geest. Blanc, noir, chinois, alle américain, volken, africain, européen. Alle naties. Le monde entier est concerné. Alle continenten is. Dieu a mis dans les cœurs de ses enfants un ras-le-bol de la religion. Iedereen, alle kinderen van God, alle ware kinderen van God zijn het moe van de religie. Il est en train de nous imposer la solitude. En hij houdt ons nu in het eenzaamheid. Il nous apprend à marcher seul avec lui. Hij leert ons om alleen met hem te lopen. Alléluia. Amen. Et ces hommes et ces femmes que Dieu a sortis des assemblées, en on les traite de rebelles. En al deze vrouwen en mannen die de Heer uit de kerk on les traite d'illuminés. Ze worden als rebellen gezien. Mais nu. Ils savent ce qu'ils veulent. Maar ze weten wat ze willen. Ils sont passionnés de Jésus de Nazareth. Hun passie is Jezus Christus van Nazareth. Beaucoup regrettent. Heel veel hebben spijt. Beaucoup réalisent. Heel veel realiseren. Comment ils ont été trompés. Hoe ze ils ont été dépouillés. Hoe ze hun hebben bestolen. Et ils ne veulent plus être contrôlés par les hommes. En ze willen niet meer gecontroleerd zijn door mensen. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. Dit is de actie van de Heilige Geest. Pourquoi? Waarom?
Parce que Dieu les prépare à son retour. Omdat God hun aan het voorbereiden is voor zijn wederkomst. Laissez-moi vous dire. Laat mij jullie eens ceux vertellen. Qui partiront lors de l'enlèvement. Degene die zal gaan tijdens de ontvoering. Ils ne sont pas dans ces bâtiments d'église forcément. Ze bevinden zich niet in de kerkgebouwen. On sera surpris. Wij zullen verrast zijn. Je suis persuadé. Le premier croyant. Ik ben overtuigd dat de eerste gelovige. Qui va se rendre compte que les chrétiens sont partis. Die zal beseffen dat de christenen weg zijn, gegaan zijn, is de paap. La deuxième catégorie de ceux qui vont se rendre compte que nous sommes partis. En de tweede die ze zullen herkennen. Ce sont nos bishops, nos pasteurs d'aujourd'hui. Dat zijn onze godsdienaren, de godsmannen van tegenwoordig. Parce qu'ils veulent plus vous enfermer dans leur bâtiment que vous amener dans le royaume de Dieu. Ze willen jullie mee in hun gebouwen sluiten dan in het koninkrijk van de Heer. C'est pour cela quand ils ne vous voient pas un dimanche, ils vous appellent sans cesse. Vous êtes où? Daarom bezig waren in de kerk op zondag. On t'a vu sur la vidéo là-bas, on t'a vu là-bas sur TV de vie, on t'a vu. Ik heb je daar gezien, ik heb jou gezien. Même vos familles vont vous rejeter. Ook al jullie familie zullen jullie verlaten. Tu as osé parler. Je durft om te spreken. Alléluia. Amen. Ils vous excluront des synagogues. Ze zullen jullie gevangen houden. Mais réjouissez-vous. Car votre récompense sera grande au ciel, frères et sœurs. Alléluia. Amen, amen. Qui est ton pasteur, vous demande-t-il? Wie is een pasteur die vraagt? Mais c'est Jésus. Dat is Jezus. Qui t'a formé? Wie heeft jou onderwijs? Mais c'est Jésus. Gevormd? Dit is Jezus. Qui est ton père spirituel? Wie is je geestelijke vader? C'est Jésus. Dat is Jezus. Mais vous trouvez un problème. Maar nou. Il y a un seul troupeau et un seul berger. Er is maar één kudde en dis à ton voisin, mon berger c'est Jésus. Mijn herde is Jezus. Mon père spirituel c'est Jésus. Mijn geestelijke vader is Jezus. Mon dirigeant c'est Jésus. Mijn leider is Jezus. Mon enseignant c'est Jésus. Mijn leraar is Jezus. Mon amoureux c'est Jésus. Mijn liefde is Jezus. Mon chemin c'est Jésus. Mijn weg is Jezus. Ma vie c'est Jésus. Mijn leven is Jezus. Is Jezus. Alléluia. Amen. Il est tout pour moi. Il est tout pour. Alles voor mij. Hij is alles voor mij. C'est fini, vous êtes délivré. Het is afgelopen. Jullie zijn bevrijd. Où se trouve ton église? Au ciel. Waar is je kerk? In de hemel. Frère, amène une offrande prophétique. Je prie pour toi. Non, l'offrande a déjà été offerte à Dieu par Jésus-Christ. Broeder, neem een profetische. Halleluja! Ik zal je zegen. Nee. Frère, tu vas faire 3 jours à sec, Dieu va te délivrer. Tout est accompli déjà, frère et sœur. Halleluja! Vasten. Alles is al vervuld. Alles is volmaakt. Ma soeur, viens, je vais t'imposer les mains. Non, le Seigneur m'a aussi donné le pouvoir. Juste kom, voici le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Want de Heer heeft mij al deze autoriteit gegeven. Voici les miracles qui accompagneront les bishops. Dit zijn de wonderen die de bishops zal leiden. Voici les miracles qui accompagneront. Dit zijn de wonderen die degene zal begeleiden. Dit ton voisin, mes compagnons sont les miracles. Mijn begeleiding is de wonderen. Alléluia. Amen. Voilà. Dit is het. Tu as été prêché là-bas. Qui t'a donné l'autorisation? Je ging preken en het wordt gevraagd: wie heeft jou de toestemming gegeven? Matthieu 19 à 20. Matthäus 28. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui m'a autorisé. Overal en maak. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis libre. Ik ben vrij. Zeg je suis libre. Zeg tegen je naast, ik ben vrij. Oh, donc celui qui vient, le sauveur alors. Mais t'es pas dans une dénomination, fédération. Dis, si je suis dans une fédération. Je bent in een benaming. Ja, ik ben in een benaming. Ma fédération s'appelle le royaume de Dieu. Mijn benaming is het koninkrijk van God. Halleluja. Woe!
le Sauveur vient. De Redder komt. Le Seigneur vient. De Heer komt. Yahweh vient. Yahweh komt. Le Berger vient. De Herder komt. Ce sont, mes amis, des, je dirais, à la fois des titres et des fonctions du Seigneur Jésus-Christ. Dit alles wat wij net hebben opgenoemd zijn de titels en de functie van God. Donc celui qui connaît Jésus, dus degene die God kent, n'a plus besoin d'autre sauveur. Heeft geen andere redder meer nodig. Non. Nee. Celui qui connaît Jésus, degene die Jezus n'a kent, plus besoin d'autre sauveur. Seigneur, hij heeft geen andere Heer meer nodig. Faites l'expérience. Beleef deze. Commencez à invoquer sincèrement dans la sanctification le Seigneur chez vous. Vous allez commencer à vivre des choses qui vont vous choquer. Begin nu met het roepen. Begin nu met het heiligheid de Heer aanbidden. Le miracle la sœur a vécu. Et je n'étais pas là pour lui imposer les mains. Ik was er niet. Jésus était là. Mevrouw, de wonder die met deze vrouw is gebeurd, ik was niet aanwezig. Vos enfants tombent malades. Prenez l'huile d'onction, l'huile d'olive, comme la parole le dit. Als jullie kinderen ziek zijn, priez pour eux au nom de Jésus. Vous allez voir vous-même. Neem de olijfolie en smeer hun en bid tot God. Un démon vient vous attaquer, levez-vous en prière. Un démon komt je om. Rappelez-lui sa défaite à la croix. Sta op het gebed en herinner hem dat hij was gevallen in het kruis. C'est fini. Un sorcier vient. Het is afgelopen. Een hekserij komt. Een satanist komt. Un jour, mon fils de 8 ans, à l'époque, avait 8 ans, il veut me voir. Il me dit, papa, un démon. Toen mijn kind 8 jaar was, kwam hij naar mijn vader. J'ai vu un démon dans ma chambre. Ik zag een démon in mijn kamer. Il se réveillait, il a vu un démon comme ça. Hij stond op, hij werd wakker en zag een démon. À 3 heures du matin. Om 3 uur 's nachts. Il me dit, papa, je le chasse au nom de Jésus. Hij zei, vader, ik heb hem verjaagd. Je lui ai dit, tu as été vaincu, je me suis rendormi. En ik zei tegen hem, jullie. Je lui ai dit, c'est bon petit, c'est bien. Ik zei tegen mijn jongen, alléluia. Heel goed, heel goed. J'ai été moi-même attaqué par ce même démon. Oui, Dieu. Non, faut laisser. En ik werd zelf aangevallen door dezelfde demonen. Qui veut expérimenter la puissance de la résurrection? Wie wil de kracht van Jezus beleven? Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche tout doux. Oh mon cœur, comment ne pas t'aimer, Seigneur? Kunnen wij niet van u houden, Heer? Ton amour me touche. Uw liefde raakt mij. Seigneur, oh Heer. Ton esprit souffle, Seigneur, ton amour me touche, Seigneur. Avant que Jésus ne paraisse, voordat Jezus Christus gaat schijnen, il va réveiller l'église zal véritable. Hij de echte kerk wakker schudden. Selon Matthieu 25. Zoals het staat geschreven in Matthäus 25. Vous allez voir ici et là des chrétiens. Jullie zullen zien christenen van overal. Dont le zèle est renouvelé. Met de vleugels vernieuwd. Le zèle par rapport au jeûne, par rapport à la prière. Par rapport à l'évangélisation. De nieuwe vleugels. Oh, le zèle par rapport à la puissance de la résurrection. Vous chassez les démons, frère. Met de kracht om demonen te verjagen. Comme Noé, comme Lot. Zoals Noach, zoals Dieu Lot ook. Passera par nous pour aussi sauver nos familles. Jezus zal door ons lopen, door ons toi qui pleures pour ta famille, te redden. Jij le Seigneur die aan te het dit, heilen bent voor jouw familie, de Heer zegt tous tegen jou, entrer. Ze zullen allemaal naar binnen komen. Oh, oh, Jesus.
fils pour qui tu as prié va jouw entrer, zoon, femme. Il va entrer au nom de Yeshua. Oh, Jesus. Jesus. Il y a quelque chose. J'ai entendu tes larmes. Je le délivre. Il me servira. Comme Anne, tu l'as consacré à Adonai. Oh Dieu de gloire. Dieu entend les prières. Jezus, God, hij luistert naar gebed. Wow. Les démons tremblent parce que Adonai revient. De demonen zijn aan het trillen omdat Adonai komt. Les faux pasteurs tremblent. De valse profeten zijn bang. Parce que leur règne tend vers la fin. Want hun eind is nabij. Et des ministères d'Élie seront suscités. En de ministerie van Elia zullen gewekt worden. Avec une autorité prophétique. Met een profetische autoriteit. Une autorité royale. Een koninklijke autoriteit. Une autorité apostolique. Een apostolische autoriteit. Pour mettre de l'ordre. Om orde te brengen. Quand ils vont arriver dans les villes, tout le monde va trembler. Als jullie naar een stad komen, zullen mensen bang zijn. Les religieux vont trembler. De religieuzen zullen. Halleluja! Oh! Ils n'auront pas besoin de faire de la pub. Ze hebben het niet nodig om een reclame te maken. De bouche à l'oreille. Mensen spreken tegen elkaar. Dieu va toucher les cœurs. En de Heer zal er haten raken. Tu sais pourquoi tu souffres comme ça? Weet je waarom je eigenlijk aan het lijden bent? Alors que tu crains Dieu. Terwijl je de Heer vreest. Het une is omdat grande, grande autorité te sera accordée. Omdat jij een heel grote autoriteit zal ontvangen. C'est pour cela tu pleures comme ça. Daarom ben je nu aan het huilen. Ce que tu vis en ce moment, c'est une préparation. Wat je nu aan het beleven bent, is maar een voorbereiding. Pour entrer dans la gloire qui het te sera déversée. Het is een voorbereiding om binnen te gaan in de glorie. Oui. Ja. C'est pour cela Dieu doit te préparer. De Heer moet jou voorbereiden. Tu comprends? Begrijp je het? Wow. Wonderbaar. Il te brise. Hij is jou aan het breken. Il te change. Hij is jou aan het veranderen. Il enlève la peur. Hij haalt deze bangheid. Il enlève le doute. Hij haalt deze twijfel van je. Il enlève la chair. Hij haalt deze vlees uit je uit. Tu n'auras plus peur de la mort. En je zal niet meer bang zijn voor dood. Tu diras tout haut, tout hautement, tout ce que Dieu te dira, tu le diras. Je zal alles zeggen, letterlijk alles zeggen wat de Heer voilà. Jou, wat de Heer jou stuurt om te c'est zeggen. Pour cela, il faut qu'il te prépare. Daarom moet Hij jou nu voorbereiden. Tu es comme Jean-Baptiste. Je bent zoals Johannes de Doper. C'est dans les déserts que Dieu te prépare. Het is een woestijn die, waar hij werd tu vas préparer le chemin du Seigneur. Je bent nu het weg van Jezus aan het voorbereiden. Tu es seul, Dieu le sait. Je bent alleen, God weet. C'est lui qui t'impose la solitude. Hij is de een, de, hij is degene die ne jou in cherche de plus l'amitié des hommes. Zoek geen vriendschap met mensen. Tu n'as pas compris que Dieu te veut seul. Begrijp je niet dat de Heer jou alleen wilt hebben? Pour que tu cries. Zodat je kan gillen. Comme une trompette. Zodat je kan roepen zoals een trompet. Il te dit ma fille. Hij zegt tegen jou mijn dochter. Ma fille. Mijn dochter. Ma fille. Mijn dochter. Ma fille. Mijn dochter. Je sais. Ik weet. Je sais. Ik weet. C'est ta préparation. Het is jouw voorbereiding. Car je t'ai enrôlé dans mon armée. Want ik heb jou geroepen in mijn leger. Dans une époque de confusion. In een verwaarloosde j'ai tijd. Mis mes yeux, mon regard sur toi. En ik kijk naar jou. Ik heb mijn zicht op jou. Oh. Ton amour. Jouw liefde. Oh Seigneur. Jouw aanwezigheid. Il y a des chaînes qui te retenaient die jou nog tegenhouden, que Dieu est en train de briser maintenant. Die de Heer nu aan het verbreken oui. Is. Ja. Il y a une femme et une personne er is een vrouw, er que is Dieu een persoon sort de son trou. Die de Heer nu aan het uithaalt. Sors de là. Kom uit vandaar.
Voilà la mort te lâche. Dood is jou aan het verlaten. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. L'esprit de mort te quitte. Deze geest van dood is jou aan het verlaten. Quitte-la. Verlaat me, je dis lâche-la au nom de Jésus de Nazareth. In naam van Jezus, verlaat deze en ga. Voilà, quitte-la. Quitte-la comme ça, quitte-la verlaat comme ça. Verlaat, quitte-la. Verlaat. C'est ta soirée ce soir, femme. Verlaat deze vrouw. Tu as assez souffert de la mort. La mort te lâche aujourd'hui. Vrouw, la puissance de la mort, l'alliance de la mort est brisée. De band van aujourd'hui, het dood is nu verbroken in naam van Jezus. Lâche-la. Verlaat haar. Oh Dieu. Oh God. Merveilleux Saint-Esprit. Geweldig. C'est ton jour. Het is jouw dag. Merveilleux Père. Geweldige Vader. Et une deuxième personne. Er is een tweede persoon midden ons. Que le Seigneur est en train de libérer d'un lien nocturne, un mariage nocturne. Dat de Heer nu aan het bevrijden is van een geestelijke huwelijk. On t'a épousé. Je bent getrouwd. On t'a marié pendant la nuit. Je bent getrouwd in de nacht. Et cette chose que je vois, cette ombre que je vois. En dit wat ik zie, deze man die te poursuit partout. Hij volgt je overal. Pourrit ta vie. Hij verpest je leven. Inonde ta vie de souffrance, de larmes, de pleurs. Door hem ben jij aan het huilen, ben jij aan het lijden. La puissance de la sorcellerie dans ta famille de kracht van de heksenhaai in jouw est familie telle que ta vie est comme arrêtée. Is zo sterk en het lijkt zoals Marie alsof je de nuit, leven lâche gestopt ma soeur. Lâche-la. Geestelijk man, laat si. Deze zuster. Laat haar. Verlaat, lâche-la. Verlaat deze lichaam. Lâche-la. Verlaat haar. T'inquiète pas, c'est un démon qui sort. Dit is een demon. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Verlaat haar in naam van Jezus. Quitte-la. Verlaat haar. On acclame le Seigneur de gloire. Clappe voor de Heer. Halleluja. Nous prononçons le divorce entre elle et ce démon. Wij verklagen de scheiding. Ouais, on peut acclamer Jésus de Nazareth. En deze demon. Quand Jésus dans la Bible enseignait, il y avait des démons qui sortaient. Toen Jezus in de Bijbel ging onderwijzen, waren er demonen die uitgingen. Mystiquement, sa famille l'a marié la nuit. Et ce sont ces esprits qui sortent maintenant. Door een hekserij werd zij aangetrouwd door haar familie aan een geestelijke man. Préparez un sac, elle est en train de vomir des choses. Kunnen jullie alsjeblieft een zak voorbereiden, want zij moest. Jesus. Zij moet braken. C'est quelqu'un de proche. Het is iemand die haar naast. Qui l'a marié la nuit. Die haar heeft aangetrouwd. Il y a un autre démon. Er is nog een andere demon. En forme de lézard. Met een vorm van een schildpad. Van een slak. Qui est sur le dos d'une personne. Die op een rug is van een persoon. Cet esprit comme un lézard t'attrape comme ça. En deze geest die houdt haar vast. Tu ne sens plus ton corps depuis longtemps. Je voelt je eigen lichaam niet meer nu al. Tu sens que ta vie a basculé depuis longtemps. Je voelt dat je leven al verpest is. Tu n'es plus tranquille depuis longtemps. Je hebt geen rust meer nu voor een tijdje al. Dieu aujourd'hui a décidé de chasser cet esprit de ton corps, de ton âme, de ton esprit. God heeft vandaag besloten om jou om deze demonen te verjagen, om jou c'est te strijden met jour. Deze demonen. Het is jouw dag. Cet esprit sait que je l'ai vu. Deze geest weet dat ik hem heb gezien. Et il te lâche.
And I forlaat je. Il te lâche maintenant. I forlaat je nu. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Tu sais que tu as été vaincu à la croix. Je weet dat je... Jésus a triomphé de toi à la croix. Jezus heeft de overwinning. Tu ne peux plus. Je kan niks meer. Manipuler ce corps. Je kan deze lichaam niet meer manipuleren. Cette personne, Dieu a besoin d'elle. God heeft deze persoon nodig. Tu vas lâcher sa vie. Je moet haar leven tu vas lâcher verlaten. Son âme. Je moet haar ziel verlaten. Et tu vas t'en aller définitivement. En je moet voor altijd au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Naam van Jezus, ons redden. Oh Dieu d'Israël. Jezus van Israël. Père, merci. Dank u wel, Vader. Sur son trône, ma sœur, cet esprit le lézard va lâcher ta vie. Deze geest is jou aan het verlaten. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Jésus est assis Jesus sur son trône. Hij zit op zijn troon en hij heerst voor het eeuwige. Il est vaincu. Satan est vaincu. Acclamons-le, alléluia.
mérite la gloire, frère. Y a-t-il des personnes? Y a-t-il des personnes qui veulent donner leur cœur à Jésus? Zijn er mensen die hun leven aan Jezus willen geven? Si tu veux donner ton cœur à Jésus, tu peux lever ta main. Als je hart of je leven aan Jezus wilt geven. Viens. Laat je handen zien. Gloire à Dieu. Kom naar voren. Ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, venez. Diegenen die hun leven aan Jezus willen geven. Gloire à Dieu. Merci pour vos vies. Wow. Oh, Dieu est grand. God is groot. N'ayez pas honte. C'est votre soirée. Wees niet bang en schaam je niet. Dit is jouw avond. Seigneur mon Dieu, mon roi. Sa présence est là ce soir. Dieu la libère de la mort aussi. God is haar aan het bevrijden van de dood. Son âme est beaucoup blessée. Haar ziel is veel geblesseerd. Dieu veut aussi vous libérer ce soir. God wil jullie allemaal bevrijden die hier voor zijn. Diegene die hier voor is. Il y a une onction de délivrance, de guérison. Au nom de Yeshua. Van genezing boven jullie. Dieu te libère, ma sœur. God is jou aan het bevrijden, mijn zuster. Quitte-la, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu de gloire. God van de glorie. Il y a une onction de délivrance, de vous libérer des choses au nom de Jésus. Er is een zalving van de bevrijding in jouw leven. Jeune fille, Dieu veut essuyer tes larmes au nom Jonge de Jésus. Dame, de Heer wil jouw tranen vegen. In naam au nom van de Yeshua. In naam van Jezus. Tu pleures beaucoup, tu souffres beaucoup. Je bent veel aan het lijden en aan het huilen. Ta famille, Dieu veut la guérir, la sauver. Jouw familie, God wil hun genezen en redden. Le Seigneur t'a donné cette invitation ce soir. De Heer heeft jou vanavond uitgenodigd. C'est parce qu'il veut te guérir. Omdat hij jou wilt genezen. Tu as besoin de l'amour du Père. Je hebt een liefde van de Vader nodig. Le Père veut te guérir. En de Vader wil jou vandaag bevrijden. Ah. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Jésus, le Père.
Est-ce que vous l'aimez réellement? How do you live? Adorons le nom. Jésus-Christ, tous ensemble. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti. Il guérit ce soir. Il délivre encore ce soir. Oui. Il guérit, il délivre, il sauve. Oh, Jesus, aide là. Oh, mon Dieu. Oh, une onction sur elle. Jésus-Christ, Père, merci. Merci. Tout genou Dieu veut sauver parmi, comme il a utilisé Joseph, il veut le faire. Je vois beaucoup d'enfants, tu as beaucoup aidé les enfants. Dieu te donnera un cœur, le cœur d'une mère. Tu vas beaucoup travailler avec les enfants. Ça va être ton appel. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il va se révéler particulièrement à toi bientôt. Prépare-toi. Au nom de Yeshua, tout genou fléchira, toute larme confessera. Oh! Zij behoort tot mij. Ik ben haar God. Je vois des blessures des cœurs ici. Hij is harten aan het herstellen. Que Dieu enlève. Ik zie dat de Heer de blessures van de harten aan het verschonen is. Des femmes qui ont subi des attouchements sexuels. Mensen die werden verkracht, seksueel verkracht. Voilà, il y a une onction là, là, là. Pour restaurer ses cœurs malades. Er is een zalving voor van herstelling. Pour réparer ta relation avec ton père. Om te repareren. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Oh Dieu de gloire. God van de glorie. Des blessures. Des blessures. Wow. Tu n'en peux plus, tu es fatigué. Je kan niet meer, je bent moe, je bent het zat. Tu penses même que la mort est une solution pour toi. Je denkt zelf dat het dood een oplossing voor jou is. Tu as ce secret, cette souffrance que tu caches en toi. Je hebt deze Dieu geheim. Pose sa main sur toi et ce soir c'est ta de guérison. Heer zet zijn hand au nom over de Yeshua. En herstelt jou in naam tu van penses Jesus. Que Dieu ne peut pas t'aimer. Je denkt dat deze tu God niet que van Dieu jou ne te voit houden. Pas. Je denkt dat de Heer jou niet ziet. Parce que s'il t'aimait, pourquoi t'a-t-il laissé souffrir tout ce que tu as souffert, tu as vécu? Als hij van jou houdt, waarom laat hij jou lijden? God houdt van je. Il pose sa main sur toi. Houdt hij zijn hand boven jou. Souffrance. Boven je lijden. Ton père a laissé ta mère. Je vader heeft je moeder verlaten. Tu l'as vu, tu as vu ta mère pleurer, souffrir. Jouw tu as vu ta mère gémir. Je zag je moeder lijden. Je zag je moeder lijden. Aujourd'hui, c'est de guérison des cœurs que Dieu vandaag accorde. Is er een genezing van harten. Voici ta guérison. Dit is je genezing. Voici ta guérison. Dit is je genezing. Voici ta guérison, femme. Ontvang je voici genezing, ta guérison, femme. Ontvang là, je genezing. Une onction de guérison des cœurs. Er is een genezing voici van ta haten. Guérison. La voici là. Oh. Ontvang.
oh, oh, elle est là, une onction sur elle. Help elle est là. Person. Jesus. Oh, oh. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. The harten, les cœurs. Harten, les cœurs. Harten. Ton cœur est tellement blessé que tu as du mal à prier. You tu as du mal à entendre Dieu. Voici ta guérison au nom de Yeshua. Cette souffrance la remonte. Tu as fait confiance à cet homme. Il t'a you blessé. Deze man, deze vrouw Il vertrouwd. A profité de toi. Hij heeft je hart gekwetst. Oui. Et ton cœur est blessé. En je hart is gebroken. Tu as peur des hommes maintenant. Je tu es blessé. Mannen. Tu as peur des femmes. Tu es blessé. Je bent bang voor vrouwen, omdat je gekwetst bent. Oh oui. Oh. Je vois la main du Seigneur comme ça sur toi. Ik zie de hand van de Heer boven jou. Dieu t'appelle. Ouais. Dans les prochains jours, il va beaucoup te visiter. De aankomende dagen zal hij jou opzoeken, bezoeken. Oh. Toute ta famille servira le Seigneur. Dieu répète encore. Al je familieleden zullen de Heer dienen, zegt de Heer. Ta maison sera une maison de prière. Jouw huis zal een gebedhuis zijn. Dieu va te faire nourrir, te donnera les moyens pour nourrir les SDF. De Heer zal jullie de mogelijkheden geven om de daklozen te kunnen voeren. Les nécessiteux. Je te vois distribuer du pain aux gens, aux pauvres. Dieu va Ik te zie donner jouw brood delen aan arme mensen. À le faire. Aan weduwen. Oh Dieu de gloire. God van de glorie. Dieu t'appelle, jeune fille. God roept jou, jonge dame. Dieu t'appelle. God roept jou. Il va répondre aux questions que tu te poses. Hij zal op al je vragen beantwoorden. Il va répondre à chacune d'elles. Hij zal elke vraag beantwoorden. Partout où tu voyageras. Overal waar je naartoe zal reizen. Le Seigneur te donnera la force pour parler aux gens. Zal de Heer jou de kracht geven om te spreken over hem. De son nom. Om te spreken over zijn naam. Ô oh Dieu d'Israël. God van Israël. Ton désert arrive à terme. Tu vas sortir bientôt de ce désert. Binnenkort zal je uit deze woestijn uitkomen. Il y a une personne qui doit être opérée au niveau des intestins. Er is iemand die moet geopereerd worden. Tu ne veux pas de cette opération. Je wilt deze operatie niet. Tu souffres beaucoup d'intestins. Je lijdt. Je hebt pijn. Il y a une guérison que Dieu t'accorde. Er is een genezing op jou. Mm-hmm. Où est cette personne? Waar is deze persoon? Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Tu ne veux pas d'opération, tu ne veux pas qu'on je touche à ton corps. Je veux deze operatie niet. Dit mm-hmm. wil je niet. Mm-hmm. Il y a les intestins, il y a aussi une personne qui souffre beaucoup de l'estomac. Je bent aan het lijden. Tu as pris plusieurs traitements et ça ne marche pas. Je werd meerdere keren behandeld, maar dit zijn allemaal mislukt. Mm-hmm. Je veux aussi voir cette personne. Ik wil deze persoon zien. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Tu vas pouvoir manger normalement. Oui. C'est quoi? Elle a quoi? Hein? Non, c'est pas l'appendicite, c'est les intestins. Voilà. Problème de. C'est qui cette personne? Cet enfant? Il a déjà été opéré? Ouais. Je viens me voir. Comment ici? On a dit qu'ils allaient voir jusqu'au mois de juin. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut le guérir là?
Denken jullie dat de Heer haar kan genezen? Un enfant comme ça, là, tout beau, là, opération, là, c'est fini. Zo'n klein kind. Hein, mon grand? C'est bon? Tu vas manger normalement, là, maintenant. Allez, c'est bon, c'est réglé. Eh bien, que Dieu vous garde, vous qui êtes devant, vous qui degene avez donné vos cœurs au Seigneur. Laat de Heer jullie beschermen. Soyez fortifiés au nom de Jésus Christ. Wees bemoedigd in naam van Jezus. Jullie kunnen weer plaatsnemen. Les personnes qui veulent abandonner le péché, levez les mains. Mensen die hun zonde willen verlaten. Venez. Komt naar voren. Jeff, tout ça, mon frère Guilain, c'est Timio. Venez prier pour eux. Mon frère Julien, on va prier pour eux. Broeder Julien, kunt u voor diegene bidden? Gras. Broeder Gras, kunt u bijkomen? Vous croyez que le Seigneur peut les libérer du péché? Geloven jullie dat de Heer hun kan bevrijden van hun zonde? Le péché nous éloigne de Dieu. De zonde is dat wat ons scheidt van de Heer. Participons à ce temps de prière pour que le Seigneur les libère. Maar dank ons gebed van vanavond zal de Heer hun bevrijden. Amen. Amen. N'ayez pas honte du péché, c'est le ciel. Schaam je niet voor je zonde. De hemel Dieu veut vous open. Libérer de l'enfer. De Heer wil je nu van de hel bevrijden. Masturbation, pornographie, tout ça là, c'est pas bon, frère. Oh, de zonde, masturbatie, le mensonge, le vol, stelen. C'est pas bon. Dat is niet goed. Prions pour ces personnes. Laat ons voor deze mensen bidden. Participez à la prière. Mon frère Paul vient, on va prier pour eux. Laat iedereen deelnemen aan deze gebed. Mon frère Yazot, on va prier avec nous. C'est possible? De toute façon, t'es déjà réglé, là, déjà marié, tout ça, là, tout est réglé. Là. On va prier avec le frère. L'onction de l'esprit va venir sur vous, va vous libérer de ce péché au nom de Jésus de Nazareth. Je commande à ces esprits qui vous maintiennent dans le péché de quitter vos corps maintenant. Ces esprits de convoitise, de mensonge, de vol, d'impudicité, tout ça, ça va vous lâcher au nom de Jésus. Cette musique mondaine, au nom de Jésus. Là, c'est un serpent là, mon frère. Là, on va chasser ce serpent là, cette jeune sœur là. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. En Belgique, les gens, c'est comme si vous ne priez pas. Priez avec nous, frères. Participez. Si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas être des spectateurs. Il faut prendre part dans ce qui se fait au nom de Jésus pour libérer nos frères et sœurs. C'est ça, être chrétien. C'est penser aux autres avant de penser à soi-même. Quittez ce corps maintenant. Quittez ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Que ces esprits de mensonge, de colère aussi que je vois là, que ces esprits vous quittent au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Quitte ce corps au nom de Jésus. Quitte ce corps. Allez, quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Que la colère te lâche. Au nom de Jésus de Nazareth. Le péché. Au nom de Jésus. Le péché. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le péché te quitte, jeune fille. Quitte ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Prisca, tu peux prier aussi pour eux, s'il te plaît. Jésus, merci. Les personnes condamnées par la médecine,
Les gens pour qui on n'a pas encore prié, qui sont condamnés par la médecine et qui veulent voir Dieu les libérer de quelque chose. Venez. De mensen die verklaagd worden door medicijnen om hun leven lang medicijnen te nemen. Comme du miel. Si on n'a jamais prié pour vous, venez. Vanavond wil ik voor jullie bidden, kom. Ah. Ton mari. Ah, les gens d'abord qui sont ici. Merci. Les choses qui vont vous lâcher au nom de Jésus. Au nom de Yeshua, Jesus. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Devant toi et on veut te mettre dedans. Dieu t'a attiré ici pour te rendre libre, jeune fille. Au nom de Yeshua, sois libre. Et tu es gloire. Xavier nous a invités. Amen. Que Dieu soit béni. Dieu vous aime beaucoup. God houdt van jullie. Alléluia. On va prier pour vous. Wij zullen voor jullie bidden. Est-ce qu'on veut prier pour eux, mes amis? Kunnen wij voor ons tendons broeder nos mains en vers eux. Prions pour eux. Laat ons voor hun bidden. Seigneur, au nom de Yeshua, nous prions pour cet homme, pour cette femme. Que ta main soit sur leur vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, révèle-toi à eux au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, notre Seigneur. Qu'il soit complètement restauré, mon Dieu. Guéri, mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ. Guéri pour ta gloire, mon Dieu. Oh, Père, merci. Est-ce qu'on peut simplement se lever, s'il vous plaît? Ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent. Diegene die kan staan, mag staan.
Seigneur, nous sommes rassemblés en ce lieu pour toi. Heer, we zijn hier aanwezig in deze plek voor u. Tu connais les problèmes de chacun. U kent iedereen van ons. Père, tu le sais. Vader, u bent Heer. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Wij glorifieren uw naam. Glorifie ton nom. Glorifie uw naam. Désormais, on te traitera de fou. Vanaf de nu, folle. Zullen ze jou voor gek houden. Parce que le Seigneur va te remplir comme tu le lui as demandé. Omdat de Heer jou wilt vervullen, jou geven wat jij hebt aangevraagd. Oui. Ja. En sortant de ce lieu, ta vie change. Als je hier naar buiten gaat, zal je leven veranderen. En sortant de ce lieu, ta vie, ta famille change. Als je hier uitgaat, zal je leven en je familie veranderen. Tu voulais que Dieu te parle directement ce soir. Je wou dat God tegen jou direct aanspreekt. Mon enfant, j'ai entendu ta prière. Mijn kind, ik heb jouw gebed gehoord. Voici ma main sur toi. Dit hier, ontvang mijn hand. Je te connais, je t'appelle par ton nom. God kent jou, hij kent zelf je naam. C'est moi qui t'ai sauvé, c'est moi qui t'ai créé. Ik ben degene die jou heeft gemaakt, ik ben degene die jou heeft gered. Ma main te touche là où tu es parce que tu l'as demandé. Mijn hand zal je aanraken waar je bent. J'ouvre tes lèvres pour m'adorer en esprit et en vérité. De ware zullen hem aanbidden in het geest en in waarheid. J'ai une alliance avec toi. Ik zie het band met jou. Mon enfant, j'ai une alliance. Dieu te dit, il y a une alliance. Personne ne peut te toucher. Er is een band die de Heer nu personne aan het ne peut is. Te détruire. Niemand kan jou aanraken meer. Tu vas expérimenter ma sainteté. Je zal het heiligheid van de Heer ervaren. Tu vas expérimenter la repentance. Je zal de bekering ervaren. Quand je te créais, personne n'était là. Zoals ik jou heb geschapen, niemand quand zou je t'ai appelé, personne n'était là. Toen ik jou riep, was niemand aanwezig. Il y a une histoire entre toi et moi. Het is een verhaal tussen jou en mij. Te dit le Seigneur de gloire. Zegt de Heer van de glorie. Je veux toucher la jeunesse. Ik wil de jongeren raken. Et je veux utiliser ta bouche. En ik wil hun gebruiken. Tu es venu devant mon trône. Je bent gekomen tot zijn troon. Pour demander ma présence dans ta vie. Om zijn aanwezigheid in jouw leven te vragen. Voici la réponse à tes prières. Hier is het antwoord op je gebed. La pluie tombera sur toi. De regen valt op jou. Je te veux dans la sainteté pour ma gloire. Ik wil jou in het heiligheid voor mijn glorie. Tu vas pardonner à tes ennemis. Tu vas bénir ceux qui te maudissent. Je zal degene zegen die jou vloeken. Et tu vas confesser ce péché dans lequel tu es tombé afin que ma gloire éclate. En je zal spreken tegen deze zonde voor je gaat vallen. Je ne veux plus que tu avortes. Ik wil niet meer dat je abortus gaat plegen. Que tu avortes. Ik wil niet meer dat je abortus gaat plegen. Tu as avorté, a blessé. Yeah. Tijdens het tu m'as blessé, ma fille. Je hebt mij geblesseerd. Quand tu as fait cet avortement. Tijdens het abortus heb je mij gekwetst, mijn hart gekwetst. Tu dois le confesser. En dit moet je nu bekeren. Of maintenant. Nu. Tu as fait cet avortement. Je hebt abortus gepleegd. Ce sang a coulé. Het bloedverlies. Tu dois confesser publiquement. En nu moet je bekeren.
in het openbaar. Sinon ma colère va s'abattre sur toi. Anders zal het voet van de Heer boven jou zijn. Repentez-vous. Bekeer je nu. Sorcier. Hekserij. C'est le temps de se repentir. Het is tijd om te bekeren. C'est le temps de changer de vie. Het is tijd om je leven te veranderen. Mon épée est prête à frapper. Mijn zwaard is er om te slaan. L'enfer est sous vos pieds. De hel is onder je voeten. S'il n'y a pas de repentance. Als er geen bekering is. Tu vas passer. Amen. Il est tout pour moi. Il est tout pour. Alles voor mij. Hij is alles voor mij. C'est fini. Vous êtes délivrés. Het is afgelopen. Jullie zijn bevrijd. Mijn ogen zien jou. Il est temps que tu te repentes. Het is tijd om te bekeren. Halleluja. Amen. Il est tout pour moi. Il est tout pour. Alles voor mij. Hij is alles voor mij. C'est fini. Vous êtes délivrés. Het is afgelopen. Bekeerd. Kom naar voren. Dieu est saint. God is heilig. T'as fait combien d'avortements? Hoeveel abortussen heb je gepleegd? 5 fois. Combien? 5 fois. Ik heb 5 keer abortus gepleegd. 1 keer. Ik une fois. Une fois. Un keer. Une fois. Un keer. Dieu d'Israël. God weet het. Combien de fois? 3 fois. 3 fois. De mevrouw heeft 3 keer. Combien de fois? 2 fois. Deux fois. Twee keer. Lève vos mains. Lève vos mains. Haal jullie handen omhoog. Les démons vont sortir maintenant. En alle demonen zullen nu eruit gaan. Les démons vont vous lâcher maintenant. De demonen gaan jullie nu verlaten. Ze verlaten jullie nu. Allez, sortez au nom de Jésus. Ga eruit in de naam van Jezus. Sortez au nom de Jésus. Sortez de ce corps. Eruit van deze lichaam. La sirène des eaux. Jeremien. La sirène des eaux, je t'ai vu. Jeremien. Quitte cette femme. Verlaat deze vrouw. Quitte cette femme. Verlaat deze vrouw. L'esprit des eaux. Het geest van het water. L'esprit des eaux. Het geest van het onderwater. Je t'ai vu. Ik heb jou gezien. Je t'ai vu. Ik heb jou gezien. Je t'ai vu. Ik heb jou gezien. Je dis lâche-la. En ik zeg. Je dis lâche-la. Laat haar. Lâche-la. Verlaat haar. Lâche-la au nom de Jésus de Nazareth. Verlaat haar in naam van Jezus. Mami Wata. Het geest van Zemimin. Mami Wata. Het geest van Zemimin. Dieu est saint. God is heilig. 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 Oh. Je veux, dit l'Esprit, que toutes les femmes qui sont avec des femmes, des hommes mariés, venez ici. Ik wil dat alle vrouwen overspel doen. Ik wil dat alle vrouwen die met getrouwde man uitgaan, hier naar voren komen. Les gens qui sont dans l'adultère, venez ici. Degene die in het ontuchtheid nog leven, hier naar voren. Het is nu tijd. C'est le temps. Het is nu tijd. C'est le temps. Tijd nu. Les adultères à ma droite. Ontuchtheid hier naar voren. Si tu sors d'ici comme ça, c'est ton problème. Viens, venez ici. Als je hier naartoe, als je hier uitgaat en niet naar voren bent geweest, is het jouw probleem nu. À ma droite, Dieu dit. Je vois l'épée qui s'est levée ici. Ik zie een zwaard van les adultères, il y a des jeunes filles qui sont avec des hommes mariés. Dieu dit ici, jonge ici. Vrouwen die met getrouwde mannen uitgaan, hier naar voren, nu.
Asseyez-vous. Je dis bien, les adultères, c'est pas fini. Het is nog niet afgelopen, het is nog niet voorbij. Si tu sors d'ici, c'est ton problème comme ça. Ontuchtheid, ontuchtheid. Degene die in het ontuchtheid leeft. Als je hier eruit gaat zonder dat je hier een voorbeeld van bent. Abandonnez vos péchés. Verlaat deze zonde. La pornographie à ma gauche. À mon linkerkant wil ik iedereen hebben die nog pornographie aan het kijken is. Courez. Ren hier naar voren. Vous pensez que Dieu ment? Denken jullie dat God ligt? Vous pensez que Dieu ment? Denken jullie dat hij ligt? Pornografie, c'est là que Dieu vous vole. Degene die pornografie bekijken aan mijn linkerhand. Vous pensez que nous voit? Vous pensez que Dieu? Vous avez rencontré quel Dieu? Je veux Dieu dit la pornographie. Venez ici. Ik weet dat er mensen zijn die naar pornografie kijken. Ik wil jullie aan mijn linkerhand hebben, nu. Vous risquez d'attirer la colère de Dieu sur vous. Als jullie niet komen staan of naar voren komen, zal het de voet van de Heer boven jullie zijn. Ici, kom hier naartoe, aan mijn linkerhand. Si vous mourrez comme ça, là, c'est l'enfer direct. Als jullie nu overlijden, dan zullen jullie naar de hel gaan direct. Dieu est le péché. God haat de zonde. Dieu est le péché. God haat de zonde. Dieu est le péché. God haat van de zonde. Il y a une femme ici. Er is een vrouw hier tussen ons. Qui parle régulièrement au téléphone avec un homme marié. Je veux te voir. Die spreekt heel vaak met een getrouwde man. De Heer wil jou nu zien. La mort veut t'emporter, mais Dieu ne veut pas. Je veux te voir. Het dood is nabij, maar de Heer wil jou beschermen. De Heer wil niet. Tu ne couches pas avec, mais tu es au téléphone régulièrement avec. Je veux te voir. Je gaat niet met die man naar bed, maar je spreekt hem heel vaak. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Dieu est saint. God is heilig. Les gens pensent que Dieu ne le voit pas. Denken jullie dat God niet ziet? Fermons nos yeux. Laat ons ons ogen sluiten. Je vous dirai pourquoi. Ik wil bidden. Il y a une personne qui veut abandonner la sorcellerie. Er is een iemand die het leven van hekserij wil verlaten. Le satanisme. Satanisch. Tu as honte, mais Dieu veut te sauver. Je schaamt je, maar de Heer wil jou redden. Lève simplement ta main et tu la baisses. We willen houden alleen je handen omhoog. Tu ne veux plus travailler avec le diable. Je wilt niet meer met de duivel samenwerken. Et à la fin, je vais prier pour ta délivrance. Aan het eind zal ik voor je bevrijding bidden. Tu lèves ta main, tu la baisses. Hou alleen je hand omhoog. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Merci. Dank je wel. Amen. Amen. Vous voulez vous sanctifier maintenant? Willen jullie... Wil je heiligen? Amen. Amen.
Vous voulez arrêter la porno? Willen jullie ophouden met het pornografie te bekijken? Tu as quel âge? Hoe oud ben je? 12 ans. Ik ben 12 jaar. Tes parents sont ici? Waar zijn je ouders? Ils le savaient? C'est à l'école. Weten ze dat je naar pornografie kijkt? Vous êtes obligé de regarder à l'école? Oui, c'est un film qu'on est en train de regarder maintenant. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en Belgique? On oblige vos enfants à regarder la pornographie? Ze lokken al jullie kinderen achter de pornografie. C'est grave. Het is heel erg. C'est dans quel cours ça? Pardon? Dans quel cours? Les cours du godsdienst. Zij kijkt naar pornografie op school. Ze krijgen seksuele lessen. Oké. Okay. Cours de religion et c'est la porno. C'est le monde à l'envers. De lessen van tegenwoordig zijn pornografie die kinderen nu krijgen. Prions pour cet enfant. Laat ons voor deze kind bidden. Père, au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Que cet enfant soit délivré de ses esprits. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, Père, sauve-la. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Jesus Christ. Oh, merci Seigneur. Quitte ce corps, notre Jésus. Nazareth. Quitte ce corps, notre Jésus. Merci pour votre sincérité. Vous pouvez regagner vos places. Dankjewel, jullie kunnen weer plaats nemen. Aujourd'hui, c'est le nettoyage. Vandaag is het dag van verschonen. Amen. Amen. Le nettoyage. Het verschonen. Qui connaît une certaine Mimi ici? Wie kent een Mimi onder ons? Est-ce qu'il y a une Mimi ici? Is er een iemand die Mimi heet? C'est qui, c'est toi là-bas? Wie is dat? Bent u dat, mevrouw? Wilt u naar voren komen, alsjeblieft? Ouais, non, mais c'est. Voilà, ça va aller. D'accord? Le papa est où? Waar is de vader van het kind? Vous êtes marié? Zijn jullie getrouwd? Oh, il y a une onction de délivrance. Er is een zalve van de bevrijding. Parce que Mimi a beaucoup pleuré. Mimi heeft heel veel gehuild. Mais il souffre beaucoup. Ze moest veel lijden. Dieu a entendu ses larmes. De Heer is jouw tranen aan het vegen. Tu dois prendre soin d'elle. Je moet om haar zorgen. La considérer, la respecter, l'honorer, la supporter. Je moet haar verdragen. Je moet Parce haar zorgen. On veut je vous moet voor briser, haar zorgen. On veut vous séparer. Voordat jullie gaan scheiden. Alors qu'il y a un appel sur ta vie, il faut la sanctification, frère. Un appel sur ta vie. En de Heer wil het heiligheid in jouw leven. Oh Dieu de gloire. Levez vos mains, la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit vient sur vous. Alléluia. Nom de Yeshua, Jesus, oh mon Dieu, oh, fini, ta souffrance est finie. Je lijden nom de Yeshua is hiermee beëindigd in naam van Jezus. Le Seigneur a entendu tes larmes, maintenant laisse-le travailler, laisse-le agir. Bannis la colère, Dieu va accomplir ses dans ta vie et dans ta famille. De Heer is je tranen aan het vegen. Laat hem handelen in jouw leven. Laat hem plaatsnemen. En verlaat het geest van woedheid. Dieu vous donne une grande maison. God geeft jullie een heel groot huis. De l'espace pour accueillir les autres. Mais rentrez dans la sanctification tous les deux. Hij wil dat jullie in het heiligheid lopen allebei. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Je vous vois en train de signer un document. Dieu vous garde. C'est bon. Jullie mogen weer plaats nemen. Vous laissez là.
Soyez vraiment encouragés, fortifiés. Wees bemoedigd allemaal. Dieu te confie une mission à l'ambassade. God vertrouwt je een missie aan. Un ange te remet un passeport rouge. Ik zie dat een engel jou een rode paspoort geeft. Nationaliteit. Paspoort de diplomate céleste. Een paspoort van diplomaten geeft. Je vois une grande invitation. Ik zie een heel grote uitnodiging. Que tu vas recevoir une grande convocation. Je zal een uitnodiging ontvangen. Dieu va te surprendre. De Heer zal je verrassen. T'inquiète pas, ce que tu as vécu, tes enfants ne vont plus le vivre, ne vont pas le vivre. C'est bon. Wow. Bouge là où tu avais mal. Beweeg daar waar je last van hebt. Il y a une femme que Dieu a guéri d'hépatite. Er is een vrouw die werd genezen door een hepatitis. Une personne que Dieu a guéri d'un problème de rein, insuffisance rénale. Degene die rugpijn heeft. Fini. Het is nu afgelopen. Même si on ne vous a pas touché. Ook al. Allez faire les examens. Alléluia. Ook al heb ik jullie niet aangeraakt, ga nou naar onderzoek doen. D'accord. Fini. Het is nu afgelopen, voorbij. Dieu me dit ici, le Burundi va être visité. God zegt tegen mij dat de Burundi. Dieu a vu tes larmes. God heeft je tranen gezien. Bujumbura. Bujumbura. Je veux visiter cette ville. Ik zal deze stad bezoeken. C'est moi qui t'ai attiré ici, ma fille. Je te connais. Je veux glorifier mon nom dans ta famille. Je délivre ta famille. Oh! Oh! Tu peux la laisser là. Alléluia. Oh! Dieu parle. God spreekt. Dieu parle. Hij spreekt. Dieu parle. God spreekt. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose avant la fin. Iets. Il y a quelque chose sur nous. Er is iets. Oh, il y a quelque chose sur vous. Er is iets. Il y a une onction sur vous. Er is een zalving op iedereen. Il y a une onction sur vous. Er is een zalving op. Il y a quelque chose. Quelque chose. Oh Hugo, il est dans le feu. Avec Émilie, Dieu vous enverra en mission partout, Hugo, au nom de Yeshua. Dieu approuve ce projet au nom de Jésus de Nazareth. Dieu approuve ce projet au nom de Yeshua. Prophétique au nom de Yeshua. Voici la Dieu. Oh, alléluia, la puissance de Dieu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il va se convertir ton père. Il va servir le Seigneur ton père. Au nom de Yeshua, Dieu dit au nom de Yeshua. Oh, la jeunesse partout. Alléluia. Jesus Christ. Quelque chose ici, c'est magnifique, frère. C'est magnifique. C'est glorieux. Il y a le réveil de la jeunesse en Belgique. Le réveil de la jeunesse en Belgique. Les jeunes, voici l'onction sur vous. Voici le feu sur vous. Voici la gloire sur vous. Voici la gloire sur vous. Voici le feu. Oh, la jeunesse. Het jonge, jongere. Oh mon Dieu. Oh my God. La Belgique servira le Seigneur. Je bénis le roi. België je bénis le Premier dienen. Ministre. Je bénis God. Les pourquoi.